Allez, allez, bonjour à tous, bienvenue à ce deuxième épisode de Dragon Age Origin. Nous avons eu l'épisode de création de personnages précédemment, maintenant nous allons avoir l'épisode tuto, je pense. Donc, pour commencer, contrairement à ce que je vous avais dit, on peut se déplacer avec les flèches et pas qu'avec la souris. Ça vous étendra, ça vous évitera d'avoir à entendre tous mes clics de souris. Bonsoir, monseigneur. Tout le temps jusqu'à ce que je change de micro. Voilà. D'une part, ceci est dit. A priori, je tourne cet épisode tout de suite à la suite du précédent. S'il y a des images un petit peu sombres, c'est normal si j'ai pas encore pu le régler, mais à mon avis ce sera au montage que je pourrais faire ça. Voilà. Pour ce qui est son, ça m'a semblé très très bon, musique, paroles, etc. à la bonne hauteur. Voilà. On va commencer. Alors, je vais pas vous montrer tout de suite tout ce qui est interface que vous voyez là-haut, parce qu'a priori le tuto va nous le faire faire. Donc on va le faire au fur et à mesure. Voilà. Je ne sais pas non plus combien a duré l'épisode précédent. Allons-y. Alors pour commencer, on peut parler à plein de gens. Bonsoir, monseigneur. Merci. J'ai mis les sous-titres pour vous. Bonsoir, les monseigneur. Titres. Voilà. Donc, en fait, effectivement, ce sont des surtitres, même pendant les phases de dialogue. Voilà. Donc il y a plein de personnes à qui on peut parler. Donc il garde. Bonsoir, ouais. Monseigneur. Duncan, est-ce que vous me dire... Alors, déjà... Ne t'ai-je pas demandé de porter un message à ton frère? Dans ses appartements, sans doute. J'imagine qu'il doit prendre congé d'Ariana et de ton neveu. Il me l'avait déjà dit l'épisode précédent, mais je m'en souvenais plus. On va lui poser quelques questions quand même, hein, pour, par acquis de conscience, pour que vous soyez bien au courant de tout ce qu'il y a. Si le roi l'exige, oui. En fait, je pense même que ne pas mobiliser toutes nos forces serait une grave erreur. Oui, je pense aussi. Ne t'inquiète pas. La question parce qu'elle était je suis sûr que tout ira bien. Malgré tout, je veux que notre garnison reste sur le qui-vive. Au cas où. D'accord, voilà. Donc on va poser toutes les questions possibles. Je dirai ça après. Donc, que voulez-vous dire? Les légendes rapportent de terribles choses à propos de l'Enclin. L'Engin, c'est un adversaire redoutable. Et si nous ne parvenons pas à le contenir, tu dois te préparer au pire. D'accord, donc le mec, il part déjà un peu défaitiste. Bon, non, à mon avis, c'est surtout parce qu'il est pragmatique, à mon avis. C'est plus... Non, il n'est pas défaitiste, il est pragmatique. Et j'aime ça, c'est très bien. Vous pouvez me faire... Vous commencez à me faire peur, père. Non. Je ne vous décevrai pas, père. Et si vous échouez, que pourrais-je faire avec une poignée de soldats? Alors, je ne vous décevrai pas, évidemment. Je sais, mon enfant. Tu es un Couselant, après tout. Alors, plus le mec mais il ne parlons de plus de choses tristes. Le Créateur nous protège et tout devrait bien se passer. Le Créateur, alors j'en ai entendu parler vite fait avec le nain, sachant que c'est pas la religion des nains, ça semble être la religion des hommes. En gros, ça correspond au dieu chrétien, plus ou moins... Et quelques détails près. Donc, je pense qu'on en entendra parler après. Êtes-vous sûr que tout ira bien? Ton frère et moi partons en guerre, mon fils. Nous n'allons pas prendre le thé avec le roi. Qui sait ce qu'il adviendra? Et en plus, ce il a dont je suis sûr, en revanche, c'est que tu es mon fils, ma propre chair, et que j'ai toute confiance en toi pour faire honneur au nom des Couselandes, si jamais le pire devait arriver. D'accord. Mais ne t'en fais pas pour moi, mon garçon. Crois-moi, tu auras largement de quoi t'occuper l'esprit une fois que je serai parti. Donc je vais vous laisser. Nous reparlerons plus tard. Je dois d'abord m'entretenir avec Duncan. Très bien, très bien. Voilà, j'ai pas eu le temps de dire ça. Ceux qui ont un nom orange, on peut leur faire la conversation comme je viens de faire avec monsieur Tierne Brice Ousland, qui semble être mon papa, et qui est un personnage que j'aime déjà beaucoup. C'est pas plus mal parce que, après tout, c'est bonsoir, monseigneur. Ok, ceux qui ont un son en blanc, ben voilà, on peut leur causer, voilà. Voilà. Ils sont, comme vous voyez, ils sont consistants, on ne peut pas passer au travers. On peut leur causer, il y a juste un truc comme ça qui passe au-dessus d'eux. Bonjour, monseigneur. Vous êtes le fils du Tierne, n'est-ce pas? Oh, ouais, ben on peut parler aux mecs en blanc. Je pensais pas ça. Non, ça doit être les mecs non importants, alors les mecs en blanc. Vous êtes le fils du Tierne, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous ignorer que je suis en effet, je suis bien le Tari? Oui, j'aurais répondu oui, effectivement. C'est bon à savoir. J'ai cru comprendre que vous auriez la charge du château en l'absence de votre père.
Bah oui, apparemment. Ah, eh bien, bonne chance. Bonne soirée, monseigneur. Merci, mais... Bon, alors d'un côté, j'aurais répondu poliment, enfin, j'aurais répondu plus ou moins ce que je viens de répondre, voilà, mais d'un autre... moi, personnellement, je me serais dit, mais qui est ce vil froluvier pour m'importuner comme ça, ce vil garde roturier sans importance, qui se permet de m'accoster sans la moindre politesse, en plus. Bonne soirée, monseigneur. Vas-y, enfin, si, quelques politesses, bonne... mais... bonne soirée, quoi. Monseigneur. Ok. Donc, a priori, c'est pas les conversations importantes. Ok, et il y aura aussi certaines personnes qui, elles, ne seront pas consistantes, qui seront du décor, en fait, qu'on a écrit, on ne pourra pas parler, on pourra leur passer au travers. Donc ça, ce sera plus tard. Chez les nains, il y en avait déjà pas mal. Donc, on a parlé à notre papa, on va parler au Jarl O. Oui. Oui. Je tenais à vous souhaiter bonne chance, Jarl O. Ouais, vrai dire, je serais quand même hanté de ces troupes. Ils auront sans doute été ralentis par le mauvais temps. D'accord. Oui, voilà. Enfin, tant qu'ils arrivent au final, voilà, pour la bataille, tout va bien. Oui, c'est vrai que dans la conversation d'avant, il avait dit qu'il était seul responsable. Donc je vais également m'en enquérir. Oui, c'est vrai. Si j'avais ordonné la levée des troupes plus tôt, mes hommes seraient déjà ici. Ah bah oui. La confiance que m'inspire votre père a eu raison de ma prudence. J'imagine donc que votre père est tout aussi fautif que moi. Alors attendez. Je réfléchis au sens de cette phrase. La confiance que m'inspire votre père a eu raison de ma prudence. Donc, en gros, il a suivi aveuglément mon père. Sans réfléchir à la prudence. D'accord. Oui, non, ça n'a pas grand rapport avec la conversation. J'imagine que... oui, alors ça, je ne suis pas des masses d'accord. Hein, bon, après tout, je ne dirai rien là-dessus. Comment avez-vous rencontré mon père? Oui, ça c'est une bonne question. Bon, hier, on va le poser. Nous étions frères d'armes sous la bannière du roi Maric, lorsqu'il repoussa les Orlésiens hors de Ferelden. A priori, c'est le roi précédent. L'époque était glorieuse. Hélas, les années qui ont suivi n'ont pas tenu les mêmes promesses. Vous êtes encore trop jeune pour comprendre... Quoi qu'il en soit, je me réjouis de chevaucher à nouveau aux côtés de votre père. Très bien. Apparemment, ce sont des frères d'armes et des anciens compagnons. Je pense qu'il est largement digne de confiance, ce monsieur. Voilà, voilà. Donc, vous avez... donc, a priori, le roi Maric, c'est le roi précédent, celui actuel, donc le père du roi actuel. Ça, je sais ça, parce que c'était dans l'intro du nain également. Vous avez connu le roi Maric. Votre père vous a certainement parlé de lui. J'imagine. Maric était un homme hors du commun. Une force de la nature qui prenait la vie à bras-le-corps. Kaylan est loin de pouvoir rivaliser, hélas. Kaylan, c'est son fils. C'est le roi actuel, Kaylan. Bon, a priori, on ne spoilera rien parce que d'un côté, a priori, notre personnage est censé le savoir. C'est l'intro, donc on le saura au pire à l'épisode prochain. Alors... je ferais mieux de prendre congé à présent. Vous n'avez pas l'air de porter le roi Kaylan dans votre cœur, oui? Bah, cet avorton et cervelé est la honte de notre royaume. Il est très jeune, ce Kaylan. Il suffit, oh. Un peu de respect pour votre roi. C'est vrai. Votre fils a sollicité mon avis, monseigneur. C'est vrai aussi. Avec l'impertinence que lui confère sa jeunesse et votre laxisme. Eh. Je n'ai fait qu'exprimer mon opinion. Il me semble un petit peu trop permissif, ce monsieur, quand même, hein. C'est d'un côté un peu de respect pour le roi, mon père a raison, d'un autre, effectivement je vais demander son opinion, mais d'un autre, laxisme de mon père, dis donc, voilà, je ne te permets pas. Bon, question qui est, oui, bon, on va dire ça. Le sujet a été abordé à l'occasion, en effet. Les jeunes et leurs inclinations volages. C'est pas faux ça. Je suis assez d'accord avec ça, mais bon, pour le roleplay, dans la situation du mec... un peu rien à péter, je pense. Ce que c'est que je croyais que... oui... oui, on va répondre ça, histoire de... peut-être. Delilah est à un âge où mes préférences n'importent plus guère. Si tu le dis. Ne vous méprenez pas, je n'ai aucun projet à cet égard. Votre père semble déterminé à vous laisser trouver votre propre voie.
Ben oui, moi aussi, je suis assez déterminé là-dessus. S'il en ressortait de quelconque promesse, eh bien, nous envisagerions la question au mieux des intérêts de notre famille. Certes, certes, certes. Bon, pour l'instant, tu sembles d'accord avec moi sur le fait que, bon, c'est juste des propos en l'air comme ça. Donc, nous sommes d'accord. Ne vous faites pas trop d'illusions. Oui, je crois que cela me plairait. Nous verrons, ben, nous verrons. Je n'en doute pas. Nous aurons beaucoup à discuter à mon retour. Certes, 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 certes. Tenez à vous souhaiter bonne chance. Oui, on va vous souhaiter bonne chance quand même. Eh bien, merci. C'est très aimable à vous. Mais de rien. Voilà. Donc ceci est fait. Maintenant, on va parler à Monsieur Duncan, un personnage que je trouve déjà sympathique. Pardonnez-moi, mais je crois que votre père désire rester seul avec le Jarl et moi-même. Pour nous parler plus tard, je voudrais juste poser une question ou deux. À vrai dire, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Et j'aurais sans doute demandé si nous pourrions parler plus tard. Votre père vous a donné la charge du château, n'est-ce pas? Nous nous reverrons au plus tard demain soir pour le dîner. C'est vrai. Dans ce cas, j'attendrai ce soir avec impatience. Demain soir avec impatience, je préfère vous voir plus tôt. Ok. Moi de même. À demain. À demain. Voilà. Je le sais, mais même là, dans la cinématique, il me semble déjà très poli, très respectueux ou quoi. Ce mec me plaît. Lui, a priori, j'aime bien, mais sans plus. Lui, c'est mon père, donc il n'y a même pas à discuter. Et lui, ce personnage me paraît très sympathique. Bon, passons à la suite. Où dois-je aller? A priori, on a une carte. Ah, nickel. D'accord. D'accord. A priori, on a une carte. Donc là, on peut ouvrir par là. J'ai vu trois portes, hein, donc on va déjà aller voir. Ok. Donc a priori nous sommes dans un château. Enfin du moins dans une place forte. Donc regardons la carte. Donc voilà, donc tout ce qui est interface, etc. Le tuto va nous montrer si je me souviens bien. Donc ça va pas être un problème. Château Cousland. Ah, on doit aller là. J'ai trouvé où est-ce qu'on doit aller. Je vais quand même me permettre d'explorer la zone avant. Parce que si jamais il y a des conversations pour le background, hein, je sais que je prononce mal, mais... Silence, silence. Alors, ici, qui a-t-il ici? Ouh, ça m'a l'air d'être une église. Non, ça n'a pas l'air d'une église, mais ici, ils ont l'air de prier, les mecs. Donc, on va leur poser des questions. Garde. Bonsoir, monseigneur. Bonsoir. Bonsoir, monseigneur. Ah, là, ici, il se lève pour me dire bonjour, quand même. Ah, ça, c'est bien. Mère, malol. Créateur, réserve-nous une place à tes côtés. Délivre le monde du péché et pardonne-nous nos fautes. Oh. Oh, créateur, pardonne-nous. Oui, alors ça, à mon avis, je veux pas être... Êtes-vous venu prier pour votre père et votre frère? Approchez-vous. Nous allons prier le créateur ensemble. Alors, a priori, moi, je suis pas très très religion, enfin, dans la vie réelle, je suis pas très très religion, hein, surtout les religions monothéistes, j'en suis très très éloigné. Donc, a priori, cette religion, je n'en suis... Bon, alors... J'y suis sûrement converti parce que ça a l'air de... Bon, comme c'est un univers médiéval, en Europe médiévale, tout le monde était chrétien, voilà, plus ou moins, après c'était catholique, etc. Donc a priori je suis sûrement converti, mais j'en suis très éloigné, je suis pas le genre à aller à la messe tous les dimanches, si vous voyez ce que je veux dire. A priori, ça, le personnage doit être plus ou moins ça. Très aimable à vous, peut-être plus tard, si cela peut vous réconforter... Alors d'un coup, ouais non, j'en vois pas l'intérêt de prier en fait, enfin, je plus pour les actions que pour les... Pour un homme qui rêve d'une vie d'inlassable combat, vous témoignez de bien peu d'humilité. Non, je pense juste que c'est la main de l'homme qui tient l'épée et non pas celle d'un dieu. Je vous l'ai déjà dit, je ne crois pas au créateur. C'est que je ressens une grande frustration, je doute que quiconque entende nos prières, malol. Bon, en même temps, je lui dois sans doute un petit peu de respect parce que, bon, étant donné qu'il est prêtresse ou quoi, à mon avis, il a dû être institutrice, hein, elle a dû me servir de prof, quoi. Grande frustration, non, je vois pas en quoi je ressentirais une grande frustration. Alors, je vous l'ai dit, hein, mes choix vont sans doute être longuets de temps en temps. Donc, mais a priori, moi, j'aime beaucoup ça. Donc, j'espère que vous aimerez ça avec moi. Je doute que quiconque entende nos prières, ma lol.
C'est ce qui s'approcherait le plus de ce que je dirais, quoi. J'espérais que l'imminence du danger auquel vont être confrontés votre père et votre frère vous ferait changer d'avis. Vous me peinez. Votre aveuglement vous condamne à marcher seul pour l'éternité, dans ce monde comme dans l'autre. Ouais, mais ça... je ne vous importunerai plus. Je dois m'occuper des soldats qui aspirent au salut de leur âme. Au revoir. Alors, a priori, je lui dois le respect par principe, mais je ne l'aime pas trop quand même. Ah, ben, on a un nouveau codex, nickel. À mon avis, je pense que je ne l'aimerai pas, parce que tout ce qui est religion ou quoi, voilà. Moi, c'est Chrome, et après, le reste, rien à porter. Hein. Chrome, rien d'autre. Alors, qu'y a-t-il ici? Porte déverrouillée. Bonsoir, ah, oui. Monseigneur. Ça, ça va être les compétences de dextérité, tout ce qui est larcin, etc. A priori, je ne vais pas jouer un voleur, donc ce ne sera pas pour moi. Qu'y a-t-il ici? Compétences insuffisantes. Ici, pareil. Bonsoir, Monseigneur. On va céder de la carte. On va aller par là, et... Rien ici, bonsoir. Bonsoir, Monseigneur. Ouais, bonsoir, salut, ça gaz, ça part, ça foire. À la porte. Un coffre. Non, déverrouillage impossible. Alors, a priori, ouais, ça, ce sont des compétences de voleur. Donc, il y aura énormément de coffres que je ne pourrai pas déverrouiller, moi, parce que je n'ai pas les compétences pour. Cependant, quand j'aurai des larbins, ils devront pouvoir le faire. Enfin, il y en aura certains qui seront voleurs, je pense. Ça me semble complètement logique que... Et des larbins avec divers talents de manière à pouvoir avancer dans le jeu, sinon ça va être bordélique. Alors, nouveau coup d'œil sur la carte. A priori, par là on retourne dans la grande salle, d'accord. Donc on va faire le tour par en face de moi, par là. Ah, on entend des corps derrière, c'est sympa. Je sais pas si vous l'entendez, vous. Domestique. Nous vous servirons de notre mieux en l'absence du tierne. Ah mais ce sont des elfes. Nous vous servirons de notre mieux en l'absence du tierne. A priori, j'aime pas les elfes non plus dans cet univers. Hein. Ils sont un petit peu trop lèche-bottes larbins. Voilà, pas trop mon kiff. Moi, les lèche-bottes larbins, vous voyez ce que je veux dire. Puis trop aussi, je vous l'avais dit, mystique, machin truc chouette. Vous voilà. Oh. Le tiers ne vous a convoqué, m'a dit votre mère, et j'ai préféré ne pas vous distraire. Dis donc, tu m'accostes comme ça, toi. Alors, j'imagine que tu dois me connaître, vu la manière dont tu me parles. Bonjour à vous aussi. C'est vrai qu'il m'a pas dit bonjour. Alors ça c'est très très pute. Pourquoi me cherchez-vous? Je crois que votre chien a encore fait du grabuge en cuisine. Oh, j'ai un chien, c'est cool. Nan a menacé de démissionner. Nan. Là on voit tout de suite. Inspiration de Game of Thrones, hein, trop de faire. Nan, c'est pas un spoil, sachant que dès le premier chapitre, dès le deuxième chapitre, on en parle. C'est en gros la nounou des enfants Stark. Hein. Dès le deuxième chapitre du bouquin. Et même, ils en parlent aussi dans le premier épisode de la série. Donc c'est pas un spoil. Hein. C'est juste un personnage comme ça. Voilà. Donc, inspiration Game of Thrones détectée. Donc déjà, j'ai un chien, je suis content. Ça, j'aime bien les chiens. Mon chien est encore en train d'essayer, n'est-ce pas? Donc je le connais bien. Non, Nan était mal nourrice avant d'être cuisinière. Elle ne quittera jamais le château. Ouais, alors ça, je pense pas que j'irai ça. Mm-hmm. Les servantes ont beau tout faire pour l'empêcher, ils trouvent toujours un moyen de se faufiler. Vous connaissez ces chiens, Mabari. Ils n'obéissent qu'à leur maître. Ni moi, ni mes hommes n'avons envie de perdre un bras. Alors, a priori, j'ai vite fait ça très rapidement. On en a croisé un dans l'intro avec le nain. Et j'ai vu ça dans l'univers. Dans l'univers, les chiens Mabari sont des chiens... Un petit peu monstrueux. Enfin, monstrueux pas dans le sens méchant, mais dans le sens... c'est des grosses bébêtes, quoi. A priori, ce sont des animaux de guerre. Très dociles, mais aussi très fidèles à leur maître. Mm-hmm. Quelle bête incorrigible, ils ne vous feraient aucun mal. C'est vrai que, a priori, si j'ai bien dressé, je pense que ça aurait été le cas. C'est possible, mais je préfère ne pas tenter le diable. Vous avez beaucoup de chance de posséder un chien à Paris, vous savez. Mon père disait qu'ils sont trop intelligents pour nous parler. Oui, apparemment. L'inconvénient, c'est qu'ils se lassent très vite. Nan prétend que votre chien la tourmente uniquement pour se divertir. Quoi qu'il en soit, votre mère m'a demandé de vous accompagner pour régler le problème.
Êtes-vous prêt? Alors apparemment, les chiens Mabari sont aussi des chiens extrêmement intelligents, qui semblent être équivalents, qui semblent avoir une intelligence équivalente de loup, à savoir que le loup est un animal extrêmement intelligent. Très bien, allons-y, je dois d'abord parler à mon frère. Très bien, allons-y. Un aveugle trouverait le chemin. Quand Nan est contrariée, elle le fait savoir à tout le monde. Très bien. Alors, le nouvelle quête, très bien. Alors, à savoir que les premiers épisodes sont un petit peu longuets, parce que j'ai histoire de vous expliquer qu'est-ce qu'on fait, quand, comment, qui, pourquoi. Voilà, c'est un tuto de RPG, parce que c'est aussi le premier vrai RPG que je fais, donc je vous explique un petit peu de quelle manière je joue. Parce qu'il y a quand même des manières... Ah! On a notre premier larbin. Alors, étant donné que c'est l'intro tuto, je pense qu'on va pas l'avoir tout le temps. C'était déjà le cas avec le nain aussi. Nous devrions vraiment nous occuper de votre chien avant qu'il ne commette l'irréparable, monseigneur. Ah, on peut lui poser des questions. On va poser toutes les questions quand même. Hein. J'espère que vous êtes autant intéressé par l'univers que moi, mais moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui se passe, où, quand, comment, pourquoi. Rien de plus que le commun des mortels. Pour tout vous dire, il n'en reste si peu en Ferelden que je n'aurais jamais cru en voir un de mon vivant. Bien. Au moins, tu sembles quelque peu respecté. Vu l'engeance, a priori, ça me semble complètement logique. On dit vraiment aussi puissant qu'on le raconte, car ici, les gardes des ombres recrutent. À ce qu'il paraît, ils ne recrutent que la crème des guerriers. Je serais déçu qu'il ne s'agisse que d'une rumeur. Bien. Bon, je pose la question parce qu'il est là pour le principe, mais je suis prêt à parier que non. Non, jamais. J'ai entendu les histoires de villages ou de voyageurs attaqués par l'engeance, mais je pensais qu'il s'agissait de simples commérages. Ce qui est assez fort probable avant l'enclin. L'enclin, en gros, c'est le déferlement des engences. On verra ça plus tard, ce sera expliqué, ça. Ne vous inquiétez pas. On va poser des questions parce qu'il est là. Qu'arrivera-t-il si les gardes des ombres vous recrutent? Une fois que vous ralliez la garde des ombres, vous devez renoncer à votre vie passée. C'est un engagement définitif. Ça, c'est a priori, j'avais cru comprendre cela. Parlons d'autre chose. Comme vous voudrez. Mais si le garde des ombres tente de vous recruter, comment réagirez-vous? Ah, on me pose des questions, très bien. Il a promis à mon père de s'en abstenir. Pourquoi voudrait-il me recruter? Je n'ai pas envie de rejoindre la garde des ombres. Si seulement il pouvait me recruter, je n'ai pas vraiment commencé de tout cela. Je n'ai pas... Bon. Je suis un peu narcissique, donc je suis pas prêt de répondre à ça. J'ai confiance en mes talents guerriers, donc ça, c'est pas le problème. À vrai dire, j'ai pas vraiment envie de les rejoindre. Vous avez l'embarras du choix, bien sûr. Pour ma part, je donnerai cher pour être recruté. Ah, bien. Pourquoi ne partez-vous pas avec le reste des troupes? S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais suivi la bannière de votre frère. Mais votre père a exigé que je demeure au château. J'espère que la venue de ce garde des ombres n'est pas étrangère à sa décision. Donc t'as espoir d'être recruté, très bien. Ben, j'espère pour toi que tu seras recruté, écoute, mon cher. A priori, le garde Duncan, c'était déjà le cas avec le nain, voyage dans tout Ferelden, qui est le nom du royaume dans lequel nous sommes, pour recruter des gardes des ombres pour lutter face à l'enclin qui approche. Il a sans doute bon espoir d'être recruté. On verra bien. Vous n'êtes pas obligé de venir avec moi, vous savez. Parlez-moi un peu de vous, Sir Gilmore. Eh bien, je sers le Tierne depuis le jour où mon propre père m'a introduit au château, avec le rang d'écuyer. C'est bien. Mon père n'est qu'un seigneur de moindre rang, et notre fief n'est guère plus qu'une vaste ferme. Mes terres me manquent cependant. Nos vallées resplendissent en cette saison. Bien, je suis très fier de servir le Tierne, mais j'avoue que si la chance de rejoindre la garde des ombres m'était offerte, j'accepterais sans hésiter. Eh bien, je t'aime bien, mon gars. Tu parles bien. Tu as des propos qui m'intéressent. Vous seriez prêt à quitter le service de mon père? Vous n'êtes pas obligé de venir avec moi. Oui, a priori, c'est ce que j'ai cru comprendre. Je vais pas lui dire ça quand même, parce que j'aime bien sa compagnie. Hein. Allez, on se rend. Bien sûr, monseigneur. Après vous. A priori, mon plebs est là. Ah, bonjour, messieurs, mesdames. Délogez-moi ce maudit cabot du cellier. C'est impossible. Il va nous dévorer.
Et moi, si je peux pas entrer dans mon cellier, je vous ferai retirer à la broche. Misérable bon à rien. Calmez-vous, ma bonne dame. Laissez-nous vous aider. Vous et vous, votre bâtard n'arrête pas de dévaliser mon cellier. Une bête comme ça, il faudrait l'abattre. A priori, tu m'as instruit, donc je te dois le respect. Cependant, quand même, c'est mon Klebs, hein. Tu touches pas à mon Klebs. Alors, il pur sang. Alors, à vrai dire, ça c'est ce que j'aurais pensé, mais je l'aurais pas répondu. Hein. Là, c'est pas un bâtard, c'est un pur sang. Ah non, ça c'est hors de question que je réponde ça. Bon, désolé qu'il y a pas beaucoup cause du souci. Débarrassez-moi de lui, c'est tout. Comme si je n'avais pas assez à faire avec tous ces soldats affamés. Je te comprends. Vous deux, oust, ne restez pas plantés là, comme des idiots. Ouais, les elfes sont un peu benets. Ah, didacticiel, inventaire et équipement. Pour vous équiper de nouveaux objets, vous devez accéder à l'écran d'inventaire. Ouvrez-le maintenant en cliquant sur l'icône, en souriant, ou en appuyant sur I. Donc, ou là-dessus, ou en appuyant sur I, ce que je vais faire parce que j'y suis plus habitué. Alors, pour retirer un équipement, glissez, déposer son icône à gauche. Hein, retirez maintenant l'armure ou les vêtements de votre personnage. Très bien, phase de tuto. Okay. D'accord. Allez, double-cliquez dessus, d'accord. Pour vous équiper d'un objet, glissez, déposer dans votre inventaire ou double-cliquez dessus, en gros, en l'emplacement idoine. Ou l'emplacement idoine, je ne connais pas ce mot. Ah oui, alors a priori aussi, tout comme dans le Trône de Fer aussi, je prends beaucoup comme référence pour ce jeu, parce que, effectivement, j'ai pu constater beaucoup de similarités. Il y a un vocabulaire très soutenu. Alors a priori, je suis tout à fait en mesure de le comprendre, j'ai l'habitude de la lecture, notamment d'Heroic Fantasy. Cependant, comme là, il y a quelques mots que je ne connais pas. Idoine, je ne connais pas ce mot. Remplacez maintenant votre armure ou vos vêtements. A priori, c'est du vocabulaire trop soutenu, je serai en mesure de vous l'expliquer en général. Hein, mais là, non. Très bien. Pour accéder rapidement aux objets consommables, placez-les dans votre barre de raccourci. Très bien, oui, logique, ça paraît complètement logique. Ça, c'est du soin. Hein. Très bien. Maintenant, je fais quoi? Je me bats. Ok. Très bien. Vous, est-ce que je peux vous parler? Nous vous servirons de notre mieux en l'absence du tiers. Les elfes larbins, hein, j'aime pas. Qu'est-ce que vous attendez, jeune homme? Trêve de parlotte, cette fichue créature est en train de baffrer tout mon rôti. A priori, je l'ai sans doute nourri, hein, je suis pas un monstre. Comment est-il entré dans le cellier cette fois? Que voulez-vous? Mon chien est malin, voilà tout. Non, je ne vais pas l'intimider, vous avez répondu. Non, calmez-vous, je vous en conviens. Comment voulez-vous que je sache? En passant au travers des murs, pardi! Oui, bien sûr, ce chien est une bête des enfers, je l'ai vu dans ses yeux. Son seul plaisir est de me tourmenter. Bon, alors, on nous occupe de ce chien, donc tu me fais que son caca nerveux. Oh, il a une tête sympathique, je l'aime bien. En même temps, je vous dirais si c'est mon chien, je l'aime bien déjà, mais... Ah, regardez-moi ce carnage. Je reconfirme. Comment diable a-t-il fait pour entrer? Suffit, mauvais chien, tu m'entends? Mauvais chien. Non. Oui, bon chien, très bon chien, non pas non plus. Ah si, pas bouger, tu commences vraiment à m'énerver, non? Ouais, à vrai dire, c'est vrai qu'il a l'air d'essayer de me dire un truc. Donc, vu que ce sont des chiens très intelligents, je vous l'ai dit. On dirait vraiment qu'il essaie de vous dire quelque chose. Qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez entendu? Non. Choisissez un nom pour votre chien. Oh! Oh! Ben ça m'intéresse. Choisissons un nom pour mon chien. Ah ah! Un nom pour mon chien. Comment vais-je l'appeler? Ah! Non, ça ne marche pas très bien. Ça ne veut pas écrire? S'il vous plaît, je souhaiterais écrire. Voilà. Ah, d'accord, très bien. Alors, majuscule. Khazad. Ça veut dire guerre en nain. Ou alors nain, mais je vais l'employer comme étant le signifiant guerre.
en un du Seigneur des Anneaux. Ça me semble tout à fait être classe, c'est stylé. Allez, Khazad, on va l'appeler Khazad. Oula, il s'est passé quoi? En pause. Ah oui, c'est vrai que j'ai activé la pause automatique pour le début des combats, très bien. Ça va, oui, je l'ai fait. Alors, je pense que j'aurais pas utilisé hormis en l'esprit, mais là ça va être plus intéressant pour pouvoir... Enfin, de toute façon, je pense que j'aurais appuyé moi-même dessus. Non, en fait, à vrai dire... Option... Ah non, elle est pas active. Bon, j'avais désactivé sûrement. Non, ça doit être parce que c'est le tuto, ça doit être pour ça. Donc, il y a des races, hein, vous voyez, des races géants. Alors, ah bah très bien, donc tuto de combat. On en est déjà à 30 minutes de vidéo, donc il ne reste plus que 10 minutes. Bah, ça va être long, hein, genre, je vous l'ai dit, c'est le début du jeu, je vais devoir tout expliquer, etc. Donc, le début va être un petit peu long, phase de tuto, tout va bien. Donc voilà, on peut sélectionner chaque membre du groupe. On peut les sélectionner tous aussi. Alors, on peut les sélectionner un par un. On a une vue tactique, comme ça, pour savoir qui va faire quoi à quel moment. Ça, c'est fait. Donc on va prendre notre personnage. A priori, c'est la phase de tuto. Alors plus tard, on fera tout est attaque celui-là particulièrement, etc. Enfin, on fera de la tactique. On réfléchira au combat. Mais là, a priori, ça n'a pas l'air d'être des gros ennemis. C'est la phase du tour. On devrait gagner facilement sans trop de problème. Donc on y va comme un point. Allez. Ah bah c'est là qu'on part. Nickel. Bon, on les one-shot. Ça donne un petit peu d'expérience, tu fais. Cette histoire commence mal tournée. Allez, tu veux. Ouais, donc il suffit de faire petit bras sur les bordels. Le créateur. Des rats géants. Par le créateur, on se croirait dans l'un de ces contes à dormir debout que me racontait mon grand-père. Votre chien semble leur avoir donné la chasse. Le rôti ne l'intéressait pas en fin de compte. Ah, vous voyez qu'il est intelligent. Oui, on dirait, en effet. Ces rats venaient des terres sauvages de Korkari. Mieux vaut n'en rien dire à Nan. Elle a eu son compte d'émotions. Vous avez la situation en main, je peux donc vous laisser. Les hommes du Jarl doivent arriver cette nuit. Et tout doit être prêt. Très bien. Vas-y, laisse-moi. Cool, et notre chien nous accompagne. A priori, il range pas tout seul, c'est très bien. Il y a des choses dans les sacs. Champignons, on va tout prendre pour l'instant. On verra après en fonction de comment trier ça. Pour l'instant, on va tout prendre, a priori. Il y a une certaine place d'inventaire, mais Quartz, on prend tout. Pardon, excusez-moi. On va... Regardez qui voilà. Fier comme un pan et les babines encore dégoulinantes de sauce. C'est du sang. Ah, c'est vrai, faut pas le dire, pardon. Non, c'est vrai qu'il faut lui dire la vérité quand même. Il y a des rats dans son putain de cellier, hein. C'est pas génial pour la bouffe. Quoi? Pas ces gros rats gris, j'espère. Ce sont des monstres assoiffés de sang. Et voilà, elfes de merde. Vous avez effrayé mes serviteurs avec vos histoires. J'espère au moins que vous avez tué ces saletés de rats. Non, je les ai regardés manger. Bon, a priori, je suis neutre envers ce personnage, mais bon, là, elle est un petit peu énervée. Ça m'énerve aussi rapidement, ce genre de trucs-là. Les rats sont morts, le spectacle est assez répugnant. Mon puissant matin... Ah oui, matin, oui, d'accord. Alors, matin, c'est pas chien, mais c'est l'animal de compagnie, mais courant. Hein. Ouais, allez, on va dire que c'est chien. Donc, mon puissant matin, on n'en a fait qu'une bouchée. Vous n'avez plus rien à craindre. Histoire de lui rabattre le son kéké, c'est mon chien qui a fait le boulot. C'est ce satané chien qui les a fait rentrer, j'en suis sûr. Mais bien sûr. Oh, inutile de me regarder avec tes yeux de chien battu. Tes charmes n'ont aucun effet sur moi, sale bête. Pour une vieille, elle a quand même une voix vachement jeune. Bon, d'accord. Tiens, fais-toi les dents là-dessus et ne viens pas dire que je ne te donne jamais rien, maudite bête. Si, voilà. Une fois qu'elle est calmée, elle est très sympathique quand même. Merci, monseigneur. Je vais enfin pouvoir me remettre au travail. Allez, vous deux, finis de rêvasser. Bon, à vrai dire, en fait, quand elle n'est pas énervée, elle m'a l'air des plus sympathiques. Hein. Elle vient de nourrir mon clébard. Elle me semble très sympathique. Merci encore pour votre aide. Juste une petite seconde, si vous permettez. Ouais. Je suppose, savez-vous où je vais vous... D'accord, donc a priori, elle va nous interrompre. Ouais. Adnet, range-moi ces tonneaux. Et toi, Kat, tu crois vraiment que je vais servir ça au tiers maculé de terre et de paille du cellier? Vieille carne!
pas, je suis une vieille carne. Le dîner doit être prêt pour ce soir, alors récurez-moi cette cuisine et plus vite que ça. Ouais, larbin. Ah non, faut pas fouetter les gens non plus, hein. Je suis pas fou, même si j'aime pas les elfes. Encore des problèmes avec les rats, rude journée. Je mets un peu d'ordre, c'est tout. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que votre père me garde. Le créateur sait que vous n'avez plus besoin de la vieille nane. Merci d'être venu à ma rescousse. Ce chien de malheur me donne bien du tracas, pour sûr. Oh, ne commence pas. Tu as déjà eu ton content pour aujourd'hui. C'est vrai, faut pas exagérer. Mais... Et vous, monseigneur? J'espère que vous avez fait honneur à votre nom. Certes, mais cette conversation n'a pas aucun sens. Enfin, je sais pas, ça me semble complètement dénué de logique, tout ceci. Bien sûr, quand ça m'arrange, si... Cette réponse n'a aucun sens non plus, sans doute, mais c'est beaucoup moins amusant, je ne peux pas vraiment vous dire le contraire. C'est vrai, mais on va dire bien sûr. Parfait. Je n'ai plus guère mon mot à dire maintenant que vous avez grandi. Après tout, je ne suis qu'une vieille femme, je ne sers plus à grand chose. Vous vous souvenez de cette histoire que je vous disais autrefois, le chien au long croc? Alors, a priori, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais a priori, je l'aurais retenu, je pense, dans ma condition. Oui, je m'en souviens par le créateur, encore cette histoire. En fait, je crois bien que si je n'ai pas le temps d'écouter des histoires... Oui, je m'en souviens. Bien. Dans ce cas, racontez-la moi. Oh, fais chier, mais ça, c'est de la triche. En une époque reculée, avant les pères de nos pères ne quittent les montagnes, il était une fois un chien qui avait de longs crocs. Dans une sombre cuisine vivait une femme à l'odeur repoussante. J'ai oublié la suite. Je n'ai pas le temps... Je dois retrouver Fergus. Oui, c'est vrai que... Alors, a priori, je ne l'ai pas oublié, mais ça, c'est de la triche, hein, vu que je ne sais pas ce qui s'est passé avant, ce moment-là. Je n'ai pas le temps, je dois retrouver Fergus. Très bien, je comprends. Filez vite, dans ce cas. Et faites bien attention à vous. Merci. Ta voix est décidément très jeune pour ta tête, hein, et ta condition. Pour la suite. Donc, Fergus, je rappelle que c'est mon frère, je dois aller... lui dire de se préparer pour la bataille. Mais avant, je fais le tour du château pour voir quoi qu'il y a à quel endroit. Donc notre chien nous accompagne, très bien. Ah, on peut lui parler. Tu vois quelque chose d'intéressant? Kaza semble avoir trouvé des braies en soie d'une propreté douteuse. Cool. Il me rapporte des trucs. Ben, merci. Décidément, plus je vois le visage, plus je pense que je l'ai raté, mais c'est pas grave. Bon, on va le flatter un petit peu. Bon, même si c'est un chien intelligent, il y a des comportements de chien quand même, hein, faut pas exagérer. On arrive déjà bientôt au terme de l'épisode. Dans cette salle, il n'y a rien, très bien. Suivant... Alors, carte. Mon frère est là. On va donc d'abord aller dans les salles d'en face. Alors que je ne me paume pas, parce que moi je suis capable de me paumer dans ces putains de trucs. Par là. Qu'y a-t-il ici? Oh là, monseigneur, nous faisions juste... Vous jouez aux cartes, les mecs! Une partie de carte. Oui, mais le trésor ne risque rien. Je ne comprends même pas pourquoi le tien nous a cantonnés ici. Avez-vous donc besoin de comprendre? Alors, pour ce genre de cas, je suis pour l'ordre, la discipline, etc. ou quoi. Mais à vrai dire, je ne suis pas non plus contre la détente. Donc, j'ai rien de même... Même si on peut vite faire les réprimander, je pense, dans un cas comme ça, j'aurais fait « Ouais, c'est quand même pas bien ce que vous faites, hein, mais voilà, ils auraient compris, je pense. » Donc on va dire « Pas rien d'inquiétude, je ne dirai rien. » Je l'ignore. Jusqu'à présent, personne ne s'est approché du trésor. Qui possède la clé du trésor dans ce cas? Promettez-vous, je fermerai les yeux pour cette fois. Le Tiern? La Tierna, peut-être. À vrai dire, je n'en sais rien, monseigneur. Je fermerai les yeux pour cette fois.
continuez à faire comme si j'étais. Votre indulgence vous fait honneur, monseigneur. Ouais, ouais, ouais. Pour répondre à un truc de genre là aussi, continuez à faire comme si j'étais pas là. Merci de votre indulgence, monseigneur. Mais de rien, de rien. Le trésor a l'air d'être là. Ok. Ouah, les mecs, ils sont quand même éclatés à bien s'entraîner. Regardez les épées qui sont portées dans le. Cool, stylé quand même, c'est très très classe. Il y a des râteliers. Ah, oh, je regarde un petit peu. Non, il y a l'air d'arriver à voir prendre plein de râteliers d'armes. On continue, garde. Bonsoir, monseigneur. J'y vais. Dire, t'es un mec standard. Et l'épisode va se finir là. On va continuer la suite plus tard, écoutez. Hein. Donc, sur ce, je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode sur ce visage décidément bien raté, mais c'est pas grave, je l'aime bien quand même, on le gardera. Donc je vous dis salut et à plus pour un prochain épisode.